Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours un plaisir d'être devant vous pour un nouveau numéro. Je sais que vous m'aviez réclamé pendant le week-end où l'actualité, le réseau s'est enflammé à cause de l'abondance, effectivement, de l'actualité à l'est de la République démocratique du Congo, l'insécurité qui sévit à Kinshasa, les enlèvements qui continuent. Il y a côté du Katanga aussi, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui se sont passées ce week-end et vous étiez nombreux à m'appeler, à me dire où est-ce que tu es passé. Il y a des choses dont nous voudrions t'entendre parler. Et je ne peux pas vous dire que ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup du bien à vouloir savoir que vous êtes là et que vous me suivez. Et donc, moi, je ne prêche pas dans le désert. Merci beaucoup pour cette marque de confiance. Merci beaucoup encore pour ceux-là qui ont fait un geste financier pour cette chaîne, pour votre chaîne. Bien sûr, vous allez me demander quoi ? Ça, ceux qui me sponsorisent, ceux qui nous poussent à faire ce travail ont toujours demandé que ça soit dans l'anonymat et que mes points de vue, c'est ça qui compte le plus. Comment est-ce que nous pouvons éveiller la conscience des Congolais? C'est un travail qui ne paye pas, mais c'est un travail que je le fais par l'amour de mon pays. Je le fais parce que je pense que nous avons quelque chose à dire, nous avons quelque chose à léguer à nos enfants. C'est ce Congo-là, c'est ce drapeau qui est derrière moi, que nous voudrions que chaque enfant du Congo puisse porter aussi de l'avant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va nous réunir? Finalement, vous ne savez pas comment est-ce que je suis très content quand je vois maintenant que beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui militaient justement, qui étaient en contradiction avec moi, vont commencer à me donner raison. Depuis 2019, nous parlions du dialogue. Nous demandions au président de la République de convoquer un cadre dans lequel il pourra donner la parole aux Congolais. Dans quel but? Je vais vous annoncer ce titre-là que nous allons parler. Nous allons développer pourquoi est-ce que nous devons avoir le dialogue. Tout le monde en parle maintenant. Fayulu annonce son retour, je crois que c'est dimanche ou samedi de cette semaine, et il demande à ce que ce dialogue-là ait lieu. Nous allons encore vous rappeler notre point de vue sur ce dialogue-là. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que Fayulu est-il dans la même lignée que moi? Est-ce que Fayulu et les autres qu'il vient, parce que beaucoup de politiciens commencent plutôt à les rejoindre en se disant il est grand temps c'est que les Congolais puissent se mettre autour d'une table pour parler de la situation et sauver le pays. Ça, c'est un sujet. Mais nous allons commencer par un autre sujet brûlant. C'est celui de la disparition de Papi Tamba. Papi Tamba, tout le monde qui est sur le réseau le connaît. C'est un analyste, c'est un cadre du PPRD, pas le moindre, mais c'est lui qui se dit qu'il est un cadre fervent à Kabila. Donc, au président, l'ancien président, le président honoraire Kabila. Donc, voilà les deux grands sujets qui vont nous introduire avant que je ne présente le plan de sortie. Qu'est-ce que je pense et comment est-ce que nous pouvons y aller pour que nous puissions finalement aboutir à cette que nous appelons la réconciliation nationale et l'unité nationale que nous avions tant prôné. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons un peu prendre les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Et puis nous allons revenir pour développer juste les deux sujets et pour vous donner la réflexion. Parce que nous sommes dans cette tranche de Contact Pro Live qui est réflexion. Donc, retrouvons-nous donc après la lecture de ces grands sujets d'actualité qui prédominent les journaux sur Internet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Félix Tshisekedi condamne à son tour l'incident visant les diplomates français. Tshopo, l'Assemblée provinciale face à l'insécurité croissante à Kisangani. Et puis RDC, gouvernement annonce la reprise des emprises ferroviaires spoliées. On va sur actualité.cd, Ituri, au moins deux morts au centre, un centre de santé pillé
lors d'une nouvelle attaque des ADF à Bahama. Raissa Malour trace la voie de ses actions phares pour le rehausser du système. Et puis, affaire coup d'État, le tribunal a reçu les demandes en réparation de plusieurs autres parties civiles. Congo profond, Ouélé, la dotation Kibali, un pilier du développement dans la province. Incendie au marché des libertés, les victimes sollicitent de la première ministre 3 jours pour présenter la liste des bénéficiaires éligibles à l'assistance du gouvernement. Les 3 étapes incontournables de toute révolution, ridicule, dangereux, évident. 7 sur 7, Kinshasa, Martin Fayulu saisit Daniel Bumba pour son retour et son meeting du 31 août sur le terrain de Mabenga en Djili. Et puis, Félix Tshisekedi attendu à Pékin pour le 9e forum sur la coopération Chine-Afrique. Et puis, présumé détournement à l'INBTP, Félix Tshisekedi veut que les auteurs répondent de leurs actes devant la justice. On termine par Radio Okapi, procès tentative de coup d'État. Les avocats de la République demandent aux prévenus 250 millions de dollars. Farine avariée au Katanga, l'OCC appelé à enquêter sur le stock encore sur le marché. Ituri, 3 morts et 10 personnes prises en otage dans une attaque des ADF à Bahama. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, donc merci en tout cas de cette marque de confiance que vous avez envers cette chaîne. Ça, c'est votre chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, mon nom c'est Germain Kaindo et ne manquez pas de nous laisser un message ou de faire un petit signe pour vous dire si vous êtes bien sûr avec moi, si vous aviez suivi toute la vidéo. Ou si vous avez un avis contraire, n'hésitez pas à m'appeler. Il y a tous mes contacts sur la bande passante ici. Tous mes contacts sont là. Donc, vous pouvez me contacter et nous en discutions. Je passe des heures et des heures à discuter avec les gens. Surtout vous qui êtes au Congo. Vous m'appelez, on discute et parfois on a des compromis. Je participe souvent dans des spaces. Et ce que je dis dans les spaces, c'est cette histoire ici que je vais vous développer dans cette émission d'aujourd'hui. Le dialogue national, qu'est-ce qu'on va avoir dans cette dialogue national? Mais commençons d'abord par ce qui est très très important, l'insécurité. Bande konangai, ezan mawape eloko moko ya ko bangisa que démocratie en République démocratique du Congo bat des ailes. Pourquoi? Parce que beaucoup de leaders d'opinion, beaucoup de personnes qui ont émis leur point de vue sur l'actualité, sur la gestion du pays, il y en a qui terminent en prison. Ici, nous pensons à Mike Mukwebai qui est toujours là. Il y a tant d'autres. Il y a ce gouvernement-là qui... C'est comme si maintenant nous sommes dans une situation où vous osez parler... On vous coffre et puis on vous fait disparaître. Et la conséquence, nous l'avons vécu avec notre aîné Chéribert Okende, que nous avions pleuré pendant plus d'une année, je crois. Ça fait beaucoup de temps avant qu'il ne soit enterré. Et jusqu'à aujourd'hui, l'histoire de Chéribert continue dans nos mémoires. Elle est encore fraîche. Comment est-ce que cette disparition est arrivée? Après une disparition de quelqu'un, là, les enlèvements, ce sont des choses que nous déplorons et qui continuent finalement à être pratiquées par le gouvernement en place. On ne sait pas. Donc, mon point de vue est celui-ci. Est-ce que Papi Tamba a été enlevé? Jusqu'à maintenant, là où nous parlons, jusque-là, personne ne sait où il est. S'est-il retranché? Parce que beaucoup d'entre nous peuvent se poser cette question. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à quitter le bateau et vont rejoindre l'AFC. Il y a une maman dans le Kisangani, là-bas, dans le Haut Zaïre, là-bas, qui a quitté et qui officiellement il est de l'autre côté. Il y a beaucoup de Congolais qui rejoignent l'AFC. Est-ce que moi je me pose comme question?
vraiment à ce moment-ci, peut-on continuer encore à appliquer ces méthodes-là fortes, c'est-à-dire les enlèvements, enlever les personnes comme ça, le faire disparaître comme ça, les arrêter parce qu'ils ont donné leur point de vue, leurs opinions sur la gestion de notre pays. Moi, je pense que ce n'est pas correct. Ce pays nous appartient tous. Ce pays n'appartient pas à un clan. Ce pays n'appartient pas à une personne ou à un groupe d'individus qui doivent imposer leur point de vue. Nous avons vécu ce que nous avons vécu. Mais laissez les gens s'exprimer. Beaucoup de gens disent que non, au temps de Kabila, les gens n'avaient pas la parole. Moi, j'ai dit non. Si aujourd'hui, nous sommes arrivés à un changement, c'est parce que les gens en avaient parlé. Nous avions eu des marches. Les gens sont morts pour que nous puissions avoir cet changement de dirigeants de notre pays. Est-ce que c'est le problème de notre pays, le changement de dirigeants? Ça, ce sont des questions que nous pouvons nous poser. Est-ce que le réel problème, c'est qu'il faudrait changer tout le temps les dirigeants de notre pays pour finalement arriver à développer le pays? Ou bien c'est un groupe d'individus qui peuvent se mettre ensemble en disant « Nous avons le pouvoir et nous allons le garder pour que nous puissions malmener le pays. » Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, la situation économique est catastrophique. Personne ne dit le contraire. Tout le monde est d'accord que ce pays, en tout cas, ça ne marche pas. Malgré ce que Félix est en train de faire comme effort, il y a des choses qui sont flagrantes et que le pays, on ne s'en sort pas. Tantôt, ce sont l'économie qui ne marche pas. Tantôt, les dollars grimpent. Tantôt, il y a des fonctionnaires en grève. Finalement, on ne sait pas la gestion de notre pays est dans quelles mains. Et c'est dans cette optique-là que beaucoup des opposants, nous parlons de Jean-Jacques Mamba, nous parlons d'autres leaders qui sont maintenant du côté de l'AFC. Nous parlons de Nanga qui s'est révolté en disant « Bon, moi je veux faire l'alliance » et puis il s'est rallié avec le M23. Pendant que nous avons des problèmes avec des groupes armés, nous avons des tueries par-ci, par-là. À Goma aujourd'hui, c'est invivable. Les nouvelles que nous apprenons de Goma, c'est insupportable. On se pose la question. On va continuer dans cet imbroglio où les gens ne savent pas comment ils font. Le pays est en branle. Et la gestion de notre pays, c'est comme si elle échappe justement au président de la République. Tantôt c'est que le président de la République il est mauvais, tantôt ce sont les gens qui l'entourent, les malversations continuent, les malversations financières continuent. Le pays ne va pas bien. Et dans cette optique-là, ajouter encore un enlèvement pour quelqu'un comme Papi Tamba, un cacique du PPRD, une partie de qui se disent de la résistance, c'est vraiment quelque chose où la direction que le pays est en train de prendre qui ne rassure pas. Même beaucoup de personnes qui sont à l'étranger, qui pourraient venir encore chez nous, en attendant ces nouvelles ici, en tout cas, il peut y avoir beaucoup de résignation en se disant « c'est pas un pays où on peut aller investir ou quoi que ce soit ». Alors, ça c'est mon point de vue. Je me dis, est-ce que Papi Tamba a vraiment été enlevé? Parce que jusque-là, aucune nouvelle. Tantôt là, je suivais quelqu'un qui disait que non, il répond au téléphone, il y a un numéro à laquelle il est en train de répondre. Lorsqu'il a dénoncé ce numéro-là, moi j'ai essayé d'appeler, mais ça ne répond pas. Je ne sais pas si c'est un numéro de l'ANER ou quoi que ce soit, mais ça sonnait toujours occupé. Donc, moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui que je sais là où Papi Tamba est. Et se soustraire, comme je dis, est-ce que ce n'est pas une machination aussi du côté de Papi Tamba? Parce que Papi Tamba ne peut pas se promener seul. C'est un géant. Papi Tamba, c'est un géant. Il ne peut pas passer inaperçu. S'est-il retranché ou bien vit-il en clandestinité après les sorties médiatiques qu'il a fait? Tout ça, ce sont des questions que nous nous posons. Et moi, je pense que c'est le moment pour que le gouvernement puisse éclairer. Moi, je pense que le gouvernement devrait donner un communiqué en disant que nous n'avons pas fait cet acte ignoble. Si les gens veulent aller chez Nanga, ils sont libres de partir. D'autres personnes ici me traitent aussi d'un Rwandais ou de quelqu'un qui travaille pour le Rwanda. Moi, je me dis, ça, ce sont des balivernes que les gens sont en train de raconter. Moi, je me dis, nous devons en parler. Nous devons parler de notre pays pour que
Nous tous, nous n'avons que ce pays-là. Nous n'avons que ce pays-là. Tout le monde, que ce soit opposition ou majorité, ceux qui supportent Fati, moi je pense que nous avons tous un intérêt commun qui est la République démocratique du Congo. Et cette République-là devra être sauvée par nous, le peuple, nous, les habitants de ce pays-là. Et tout le monde, donc, a besoin d'apporter sa pierre pour la reconstruction de ce pays-là. Et ça, la reconstruction, c'est quoi? C'est de s'entendre. Ndena bomoko ndeto kolonga. Nous avons beaucoup de problèmes en République. Ça ne peut pas se changer en un mois, en deux mois, non. Mais nous devons poser les jalons qui permettront un peu d'escalader cette tension-là pour que les gens se disent que, finalement, nous sommes sur la bonne voie et que tout le monde agrée ou bien accepte le système qui sera mis en place par nous tous, pour que nous, qu'il n'y ait pas des gens qui vont se voir que c'est nous qui dominons. C'est ça le problème. Moi, je me dis, je ne sais pas effectivement là où est Papi Tamba pour clôturer ce dossier-là. Et je regrette, je me dis, est-ce que Papi Tamba aussi a-t-il traversé? Et s'il a traversé, comme les gens de l'IDPS commencent à dire maintenant que Mabe Koti, Batouba Komiko Katisa, même ba Mama, Bakomiko Katisa, Mabe Koti, vous avez suivi tous ces vidéos qui sont sur le réseau ici, où les gens se disent Makamboyo Toko Kangol Susute. Alors nous continuons avec cette situation à Goma. Sommes-nous capables de stopper cette hémorragie? Et c'est par là que nous nous disons, il faut que les gens se mettent ensemble pour se dire que, se regarder en face en se disant, il est grand temps c'est que nous changeons les choses. Et changer les choses, c'est quoi? Ne peuvent que s'opérer quand les Congolais vont se mettre en place. Et autour d'une table, en se disant, voici, nous rassurons maintenant que nous avons une nouvelle direction que nous allons prendre ensemble. Et que tout le monde sera derrière peut-être celui qui devra diriger ce pays. Voilà, donc c'est un peu ça. Moi je me dis, c'est vraiment malheureux, pour conclure cette étape-là de Papi Tamba, c'est vraiment malheureux que Papi Tamba puisse être dans la clandestinité ou bien être enlevé. Est-ce que Papi Tamba a tambola kaye moko pour dire aujourd'hui que vraiment aza enlevé? N'y avait-il pas un témoin qui peut vraiment venir sur les réseaux pendant ces 3-4 jours nous dire que non? Azala ki awa, tozala ki nae, tozako melanae kopo, tomoni batumoko boebaye. Là, ça peut nous rassurer que nous pourrions savoir là où il est. Parce que version on a quoi lever, moi je ne crédite pas ça sur le système Fati pour l'instant, ou bien le gouvernement en place pour l'instant. Parce que connaissant la situation maintenant aujourd'hui, faire cet acte-là, ça va continuer à mettre encore de l'essence sur le feu qui brûle toujours. Et ça va discréditer effectivement cette magistrature. Et qu'on discréditer Bango, et moi je ne pense pas vraiment, en tout cas, ça c'est mon point de vue, je ne pense pas que Fatia Koki Komi Betalisa Sinalokolo, parce que ça c'est vraiment, et même en international, si on commence à prendre ces histoires comme ça, on va dire que ça c'est un régime sanguinaire. Ce qui est le Papi Tamba Koufi et Kopé Salissou sous Makamboum sous Yamabe, et qu'à ce moment-là, même la chance à ce que les gens puissent se mettre d'accord pour diriger ce pays et Kozala Soussouté. Et là, nous allons pratiquement dans un tourbillon de violence et d'ingouvernabilité du pays. Batouni n'ango kokokokambatang ke ozoe bakeno, et comme une dictature et comme une. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Bon, Bandeko, deuxième sujet, Nabiso Ezali, Batubazo Lobelango, négociation, Martin Fayoulou annonce qu'il va rentrer et il a déjà lancé cette histoire-là qu'il faudrait qu'il y ait négociation pour que Batou. Qu'est-ce qui vient à l'esprit? Nambala Moko Tango Toyo Kakamakambo en négociation. Le Congolais sait que la négociation est souka akaka partage à pouvoir, l'opposition doit rentrer dans un gouvernement d'union nationale, tout ça. Cette histoire-là est qu'on sauve Bisso Ata Mukete. Et j'ai toujours expliqué ça. Que la négociation pour capturer, pour se partager le poste,
ne sera pas une à ta négociation on va sali une semaine pour en finir là. Ça sera du vu. Nous avons déjà vu ça. Ça ne nous a donné aucun résultat. Et là comment que salimate ya malamu na katia ba négociation na tangu kabila sa azalaka ba politiciens ba vandi ensemble ba komi koloba ke non tout ça la gouvernement d'union nationale, ça n'a pas marché, ça n'a pas enlevé notre pays dans cette histoire. Et ça, la makabongote. Et moi, quand j'ai suivi Fayulu, je me suis dit, est-ce que papa Oyazako azoyeba makambo azoloba? Oui, vous allez venir à na meeting wana. S'il ne change pas d'idée et qu'il propose ce qu'il est en train de proposer là, je ne pense pas beaucoup vont. Bon, s'ils iront dans cette direction-là, moi, je ne pense pas que ça pourra marcher. Pourquoi? Parce que ce dialogue-là n'amènera jamais l'unité nationale. Et qu'il y a une unité nationale, et qu'on désescalade tes tensions aux Anamboka. Donc, nous serons encore cosmétiques. Parce que les gens vont dire que nos bazako, bakokuta nakuna, ponanini, ponako, koele la, ba se redistribuer, ba poste zalatang ou nabangwa kolia. Le même système va continuer. Nous devons aller au fond. C'est ça le problème. Que les gens ne sont pas encore de comprendre. Nous devons aller au fond. Et comment y aller? Batuebele, ba Congolais, ba zako réfléchir te. L'unité nationale ne se proclame pas. L'unité nationale s'impose. Il faut batubaye ba keno sikoyo. Yo zanani, nga na zanani, ya zanani. To vandi awa, voici mobeko o toko banda kosala. Voici comment est-ce que nous allons nous unir pour que to consolider oyo unité nationale afin que Monguna aya kako ko déstabiliser bisoté. Et qu'on zala nengeni, et qu'on te pa ya groupe moko aba politicien te. Mboka oyo balobaka toujours que mboka oyo bateka yango. Banani yango bateka yango, bateka yango na pri nini. D'autres personnes disent que non, Félix a bradé le minerai de l'Est avec le Qatar et tout ça. Tout ça, ça se raconte. Et ça ne fait pas l'honneur de notre pays, mes chers amis. Et ça, c'est la biso malamouté. C'est par là que moi je me dis, il faudrait que nous puissions aller au-delà de ça. Batou o bakoyokana, bakoyokana na nini. Qu'est-ce qu'ils vont se parler? Bakoyokana pour ba partager pouvoir. Ça va avancer, nous avions déjà entendu ça. Batuebele, surtout à IDPS Malobi, Makambu Félix, ça sololana ba opposante. Lui-même, il est induit en erreur. Moi, je pense que Félix aussi est induit en erreur. Parce qu'il ne nous écoute pas. Félix n'écoute pas le peuple qui sont animés de bonne foi. Pona kobongi samboka oyo. Félix a zoyo kabangote. Combien de fois les Mukwege ont cherché à dire que non, papa. Tout ça là-bas, tout ça là-bas. Combien de fois on n'a pas dit profiter de cette aura de notre prix Nobel de la paix pour qu'on s'assoie, pour qu'on apaise un peu la situation, pour que vous attirez tout le monde dans un système où vous allez réformer le Congo. Et là, on y a un important. Et là, on a important, c'est la sécurité en Mboka. Sécurité en Mboka, c'est qu'on se proclame boété. Il faut que les gens qu'on construise cette paix-là. Et qu'on a la construit n'engenin. Namandoki. Et moi je peur. Moi je peur. C'est-à-dire que les gens qui se disent que non. Unité wana. Même si AFC Azako koma koune pa banande abini na bango. Akeme a okoma na tribu mususu bakobina na bango. Ça vous prendra combien de temps? Pour que bo promener que non bisogno so tout oza bana moko tout ça. Il y a du fondamental sur lequel on peut travailler. Et c'est cela que nous avons toujours dit au président Félix Tshisekedi. C'est ça le moment pour lui de briller. Il est grand temps que Félix Tshisekedi puisse prendre les choses en main. Qu'on prendre les choses en main, ce n'est pas retenir le pouvoir. J'ai toujours dit ça. Ce n'est pas me contrôler. Maintenant, vous pensez que vous allez contrôler le Katanga, vous allez contrôler le Congo central, vous allez contrôler le Bandundu. Non, ce n'est pas ça. Bandeko, unité nationale et bandakana nous na identification à Batouni Nangosa na Bango. Est-ce que Félix a yebi Batounaye? On les traite de tous les membres. Non, azo tcha bandeko naye, azo tcha kabalou babo, azo salakabo, azo salakabo. Le système dans lequel nous sommes est un système qui est pourri. Et il faut recommencer ce Congo-là. C'est comme ça que moi je me dis,
unité nationale wana po ebande esimba malamu, il faut que ba Congolais ba solo là. Et c'est ce que moi je suis en train de proposer ici. Moi je propose à ce que les gens puissent se parler et se parler sincèrement. Ba tunini yango ba ko se parler. C'est par là le grand problème aussi, parce que on me pose toujours cette question là. Yo ba ozolo ba na unité nationale akobenga banani Félix yemo ko lobi alinga ka benga Katumbi, Katumbi boy, il a déjà disqualifié même les gens avec qui il pouvait parler. Et c'est là où il s'est fermé la porte, yango ne craqué donc ezabo. Mais maintenant les ceux qui se disent des opposants se disent que non, il faut qu'ils prennent les choses en main. Je crois que c'est ça que Fayulu viendra expliquer aux gens, que non, il faudrait des nani un dialogue. Ce dialogue, le format de ce dialogue-là, et qu'on a la nengeni ne pourrait rassurer la population que non, ça ne sera pas la même chose qu'ils ont vécu. Comment ça se passera? Le président de la République a parlé des changements de la Constitution. Ça, ce sont des méthodes qui sont toujours employées pour justement retenir le pouvoir. On ne peut pas retenir le pouvoir. Mboka ba dirija kango na loma te. Mboka ba dirija kango na loma te. Ata mukete. Soko dirije mboka na loma oko kutana na maka mousousu. Oyo oko kako rezoudre yo mokote. C'est ça le grand problème. Problème est Angola. Le pays devra être apaisé par le peuple congolais. Et qu'est-ce que nous nous proposons maintenant? Parce qu'on me parle toujours. Non, Batu O Bazali Awa, vous mes abonnés, plus de, je sais pas, 2000, 3000 abonnés, O Bazali Awa, vous aviez compris toujours ma position en disant, et j'ai expliqué en long et en large comment est-ce que nous pouvons obtenir cette unité nationale. Nous devons faire ce que nous appelons les états de lieu de chaque territoire. Il faut que le peuple congolais a récupéré pouvoir au niveau de la base. Et cette base-là doit être considérée. Bande konda kupoto fonde ango to bandakana on a fondation. Quelle est la fondation que nous avons? Est-ce la constitution, notre constitution actuelle? Est-ce que tout le monde a adhéré à cette constitution? Si tout le monde pouvait adhérer dans cette constitution, Nanga ne serait pas là. Ba afdele linga ke botamate.
Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu un consensus national. On n'arrive pas à s'entendre. Comment est-ce que tu as dit qu'on s'entendre dans l'Ikambouboué? Entre parenthèses, je parle de cette, je voudrais parler de cette conférence annuelle qui se déroule à Mutuanga, où les peuples nandais se réunissent. Et là encore, il y a beaucoup de, à boire et à manger. Ils se réunissent, ils vont là, ils vont discuter. Nous avions proposé, effectivement, les choses à discuter depuis 3 ans, 4 ans. Et là, quoi, nezanini, et ça, là, qu'on a ça, qu'on l'inga, qu'on explique, bino, awa. Ils se réunissent pas, ils se réunissent là pendant une semaine. Ces résolutions-là qu'ils vont prendre, et qu'on sous kakaka, boé. Pourquoi? Parce que ce peuple-là n'a pas de repère, il n'a pas de pouvoir. Bazana pouvoir, il y a qu'on exécute ma résolution na bango anate. Et ça sera encore un coup d'épée dans l'eau. Ils vont s'entendre, ils vont se dire non, tous à la bombe, tout ça, ils vont parler. Mais ils vont éviter ce qu'ils doivent faire. Ils ne réfléchissent pas sur la sécurité. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que la sécurité vient de Kinshasa. Bah, makambouaneza et makambou à l'État. Or, l'État, c'est nous tous. C'est nous qui doivent nous consolider. Je referme ça parce que j'en parlerai lorsque je vais vous lire la résolution, parce que elle termine, cette conférence se termine le dimanche. Et je voudrais voir Niniango Basololi. Qu'est-ce que... Mais moi, je vous dis déjà. Et Kozalaka Kanetibane Moussousou. On vient là, on partage du cassis, on se dit qu'il faut tous à la bombe, mais même les résolutions qu'ils vont prendre, ils ne seront pas capables de les exécuter. Or, on doit parler des choses qu'on doit faire. Il faut tous lober la macambo, tokosala ngo na ba habilité ndengeni. Pourquoi je dis ça? Je suis toujours dans la parenthèse. Nazo mon andenge, bazo senga, cotisation, tout ça, tout. C'est l'argent qu'on va mettre en place pour faire de loger les gens, tuer des chèvres, des vaches, tout ça pour que les gens mangent. Et puis c'est tout. Bozongi, les mêmes tueries vont continuer. Vous continuerez à vivre comme vous c'était dans le temps. À quoi servira toutes ces rencontres-là? Absolument à rien. Absolument à rien. C'est ainsi que nous nous sommes dit. Je ferme cette parenthèse-là. S'il y a négociation, et c'est là où nous nous sommes dit, voici les schémas que nous pensons peut aider notre pays. Il faut que pour l'instant, que Félix Tshisekedi crée un cadre, dans ce cadre-là, où il va faire passer cette idée-là de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Et c'est ce que moi je pense que Fayoulou devrait parler aussi au peuple congolais. Éveiller le peuple congolais que Yende Azamo Konzi, le peuple congolais faut se décider. Ils vont se décider comment? Schéma Awa Biso Tolobaka Awa, et sa rétrocession du pouvoir au niveau de la base. C'est-à-dire que il faut tout zongi sabatou bakende kosolora, makambu oyo bango bako implémenter na base. C'est-à-dire que si la base va se réunir, ça sera pour dire par exemple que non, biso tolingi lisusu mutute asimba mandoki na base awa. Et nous serons les custodiens de cette paix-là. C'est comme ça que j'ai dit, Félix Tshisekedi devra réunir beaucoup de ces gens-là, ou bien aller même dans les leaders d'opinion, dans chaque province. Peut-être dans chaque province, ou bien il va, ou à quelque moment, il y a un leader d'opinion, il y a un Taliban, côté Équateur. Il fait passer l'idée de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. En disant quoi? En disant que Mboko Eza Yangate, Mboko Eza Mboka Yabatu Songolote, Mboko Eza Mboka Nabino, prenons les choses en main. Pour que nous puissions changer les choses, c'est-à-dire quoi? Vous allez vous dire, vous mettre en place, en réfléchissant. Le deux sujets sur lesquels le peuple devra discuter, c'est un nouveau Congo. Et c'est l'idée que le président de la République, Fatshi, je pense qu'il doit faire passer dans les leaders d'opinion. En Koluya Kolobakeno, Bandeko, nous sommes arrivés à un temps où
tozo souka mabebi son nyoso. Nous ne pouvons pas continuer à nous entêter dans cette erreur dans laquelle nous nous sommes mises. Il faut absolument que tout tongamboka oyo et que tongamandenge nini na bino moko kaka ba congolais. Et c'est là qu'il faut organiser ce que moi j'appelle ici les états de lieux de chaque territoire. Nous avons 145 territoires. Ainsi, un grand nombre de Congolais pourraient se mettre sur la table dans chaque territoire pendant une période donnée. On s'est dit par exemple un mois en Goto, Pessibatou, Baluka, un groupe de 300 personnes dans chaque territoire, bah, politiciens, bah, autres se trimbalent à Kinshasa, bah, magistrats, oh, renvoyez-les chez eux. Bakende Kosolola sur une nouvelle république. Préparons une nouvelle république. Et c'est cela que nous disons la 4e république. Batouana nyon soto baza koya na Kinshasa. Bakende na ba territoire na bango bakende Kosolola. Et puis qu'il puisse faire quoi? Qu'il puisse nous donner une ébauche d'une nouvelle constitution. À ce moment-là, le peuple va être, va réfléchir. Les 300 intellectuels de chaque territoire qui se connaissent. Ils pourront être votés, par exemple, dans ce territoire. Ils pourraient avoir une formule pour désigner les 300 qui s'asseyeront sur une table pour discuter sur la constitution d'une nouvelle république. Ça, c'est le premier point que lorsqu'il faut convoquer cette assemblée territoriale là, de 300 personnes, Bolobi. Parce que c'est ça la base. Dans les tribus, il y a moyen de se dire que nos leaders, ça, c'est ça nos notables. Nous pouvons les désigner et faire sortir 300 intellectuels que le peuple peut penser en disant que Batouana va représenter Bissot, Nakati Assemblée, Nakati Territoire. Ils discuteront sur quoi? Sur une nouvelle constitution. Toutes les thématiques d'une nouvelle constitution, place Bahéré, Rezali, Basali et Bosch. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est l'identification de la population. Chaque territoire, ils prennent les choses en main pour finalement identifier combien ils sont, les nombres qu'ils sont, réfléchir sur le plan économique de leur. Ça, ce sont les sous-points maintenant. Mais les deux grands points, c'est une ébauche, réfléchir sur une ébauche d'une nouvelle constitution, de la 4e République, ça va baisser la tension. Quelqu'un me pose la question, mais pendant ce temps-là, ça sera quoi? C'est Kinshasa qui continuera à diriger? Nous sommes allés aux élections, c'est comme ça que j'ai dit. Tshisekedi a créé, Makambo a créé le gouvernement d'Union Nationale, renvoyé, même le gouvernement qui est là en place, il peut rester en place en disant bon gouvernement autoko changer en côté dit et quoi que ça la remise et reprise lorsque nous aurons à avoir une nouvelle constitution et que les territoires ont pris les choses en main, leur sécurité, leur développement, les projets de développement de chaque territoire, ils vont en discuter. De quelle manière? Donc, les deux grands projets que je disais, c'est de faire l'identification de la population et discuter une nouvelle constitution qui nous amènera à la 4e République. Pendant qu'ils sont en train de discuter, ils se livrent. Cette consortium-là de 300 personnes vont aider l'administrateur des territoires en faisant l'identification pour que les Congolais soient identifiés. Batouba qu'on s'identifie dans chaque territoire walobi a tozala kanabandande a tozala na baunde a tozala na banani chef wa baunde zanani parce qu'il sera inclus même dans cette assemblée de 300 personnes batouana bakosa la commission koloba notre identification bureau identification batunyo sotuba ya awa bas s'identifier comme ça on leur octroie une nouvelle numéro d'identification batumsusu bazoloba même mutunyo sotuza kuna oui parce que Nous sommes, la structure est là. Batouana, Bazalaka, Namusalate, ils auront du travail. Les chefs de secteur, les chefs de groupement, tout ce bon monde-là. Et vous allez voir, à partir de là, l'administration va commencer à fonctionner. Parce que
les états de lieu, chaque état de lieu va dire que par exemple na territoire o batbasima mandoki boya ko s'identifier awa soki boza bana ya awa to reconnaître to se reconnaître to yebana. Ainsi chaque territoire devra bakoye bana bakoloba ok biso tozalaka awa, ils pourront taire tous ces conflits interethniques, ils pourront taire ça. S'ils sont capables de se mettre, ils ont le pouvoir de dire que non, nous allons siéger. Et c'est par là que chaque tribu va signer un acte d'adhésion pour la nation congolaise, qui est reconnue finalement par la base. Eux-mêmes, ils vont se dire, bon, awa tozala kaboué, awa tozala kaboué, awa tozala kaboué, awa banani ango ba dirijaka, awa banani ango ba simba kaboué, awa nani banani ango ba zala commerçant. C'est un travail qui peut se faire en une année, ne soyons pas pressés. Pendant que les gens sont en train de discuter aussi sur la thématique d'une nouvelle constitution, pendant que les gens sont en train de s'identifier, nous pouvons avoir un 6 mois, Batumsusuna 6 mois, wana, équipe Mokona 300 personnes wana, seront déléguées au niveau des provinces pour harmoniser les textes. Et pendant ce temps-là, les gens continuent à s'identifier normalement. On identifie, on donne tout simplement les numéros d'identification. Pas encore les cartes, parce qu'il y aura une carte qui pourra être faite lorsque nous connaîtrons le nombre exact de la population qui habite sur le sol congolais. Natangwanande Tokoyeba, nous sommes autant de Congolais ici, dans le territoire Oyo, baza autant, il y a autant de tribus, il y a des chefs coutumiers, il y a autant de chefs. Parce qu'ils vont se reconnaître. Et ils implémentent maintenant à Koloba ordre à Wabandeko Ezar, Tolingil Soutobo Manate, Tolingil Soumakamboa Guerte. Voici comment est-ce que nous allons nous sécuriser. Place au Batouba Simba Mandoki Bazali, Batounyoso va se rendre na Katia ba territoire na Bango, va se mettre ensemble. Et cela va désescalader même Babiloko et Akobomana, tout ça. Parce que le peuple va finalement se prendre en charge en disant, ok, comme nous n'avons pas, par exemple, dans les territoires où il y a beaucoup de milices, il y a beaucoup de détruits, après qu'ils essaient d'identifier, on peut maintenant, ces assemblées-là peuvent dire, ok, Bafar d'essai, Totche Bangona nous pembeni comme bas réservistes, mais nous allons former par exemple ce que nous appelons la police de proximité. Et ça va désescalader Tolobi Tokobomanate. Et tout ça, c'est ça le chemin que moi je pense qui peut pour l'instant sauver le pays. Et au niveau de la province, maintenant, on va harmoniser les textes d'une nouvelle république, d'une nouvelle constitution de la 4e République, on prépare ce texte-là. On prépare en disant, bon, voici les gens ont signé, voici maintenant les électeurs, et par la même nani, structure, on a ça le renouvellement à classe politique. Et ça, classe politique, oh, y'a pas mi-hibité. Tout le monde prendra conscience que non, il a les routes. Il est envoyé par son peuple au niveau des provinces. Et au niveau des provinces, les gens vont dire, bon, ok, biso Tomoni constitution, on a biso la thématique, tel, voici ce que nous avons trouvé. On vient maintenant avec une nouvelle assemblée nationale où on va maintenant harmoniser le texte pour que nous puissions avoir une nouvelle constitution. Qui va, parce que la question m'a été posée, qui va maintenant promulguer cette nouvelle constitution pour passer à la 4e République? Et c'est par là que j'ai dit, Félix Tshisekedi aura vraiment cette opportunité si vraiment il et que batuba moni que non ezako kende malamu batunyozo tuba koyeba que non, bon, ok, tolingi sous président Kalate ou bien tolingi boete, on va prendre, les gens vont s'entendre en disant, bon, ok, la promulgation de la nouvelle constitution sera faite par un nouveau président de la République qui sera élu après qu'on ait octroyé à chaque personne, à chaque Congolais, une carte d'identité. Et par là, nous connaîtrons. Ça sera facile. Parce que nous aurons déjà une database qui est construite pendant un certain temps. Tant que batubazoyana texte baba harmonisé, les gens vont continuer à s'identifier. Et lorsqu'ils vont s'identifier, on va maintenant créer, par exemple, le database pour Makambwa Baseni Nakuna. Ça va continuer ainsi et le calme reviendra dans le pays. Et lorsque nous passerons maintenant
à un référendum pour adopter la constitution, la nouvelle constitution, c'est après que nous pourrons pour dire, par exemple, bon, passons maintenant aux bonnes élections, parce qu'à ce moment-là, nous avons les actes d'adhésion de tous les peuples congolais, les tribus et tout ça, qui sont reconnus au niveau de la base et qui seront transmises maintenant au niveau national. Et nous connaîtrons, par exemple, voici le modèle de la carte d'identité qui est identique du nord au sud de Moutounio, surtout à sa Nababa Babilokoya Seigne et Zala qui organisé Wana. Voilà un peu comment est-ce que nous pensons que négociation Wana et Woyko Kendena modèle Wana pour désescalader. Mais si nous continuons à penser que ce sont les politiciens ou bien un groupe de gens qui vont se mettre quelque part pour faire une nouvelle constitution et proposer ça aux Congolais, nous serons toujours dit, il y aura toujours des gens qui vous diront que non, constitution na baya ki na biso biso toye bien goté. Mais si le peuple à la base est impliqué, tant que to sali référendum, nous passerons calmement dans la 4e République où kimoyi bien ko diminué parce que contrôle ko za la vraiment sévère na niveau api ya population na makambo yo otosi to moni awa na kati ya mboka na biso. Voilà, mes chers amis, ce que moi je pense que négociation est coquille qu'on est dans le modèle. Wana. Et si les politiciens, Ezali, ba Martin Fayoulou, ba Katumbi, Banani, ba accepter que Tokende, Félix Tshikalawana, mais préparons la 4e République et que les gens, dans cette période ici, nous avons ce mal à contrôler par exemple par. Je ne sais pas, un autre parlement ou quoi que ce soit, parce que il est grand temps, c'est que Félix Tshisekedi réorganise le pays. N'a qu'à réorganiser le pays, c'est comme ça que moi j'ai dit, il doit faire passer cette idée-là en disant que moi je ne veux pas conserver le pouvoir, mais je voudrais remettre le pouvoir au peuple pour qu'il puisse décider de la 4e République. Bisognoso, tokende nabi, tuka nabi, so tope sa ba idée, il y a République Asika. Transition comme ça les mandéni. Et c'est par là que Batoua Ouigolo Bakeno, lorsqu'ils se sont déjà maintenant mis d'accord, par exemple, dans les 145 territoires, en disant, bon, Bisso, ensemble, Nabisso, et ça déjà en place. Et c'est dans cette assemblée-là qu'on pourra peut-être dire que, bon, ok, pour maintenant mener cette histoire ici, ces assemblées-là pourront former un gouvernement d'union nationale, par exemple. Dans chaque territoire, on s'est dit, bon, ok, les territoires, voici comment nous allons faire un gouvernement d'union nationale, voici ce que ça va comporter. Comme on ne peut pas avoir 145 ministres ou quoi que ce soit qui vont faire ceci. Il y a moyen de se faire des collèges, par exemple, en disant, bon, ok, nous allons faire ceci pour gouverner le pays pendant que nous, si nous ne voulons pas, par exemple, un nouveau, ou bien c'est ce gouvernement de voleurs et tout ça, non. On peut dire, il peut y avoir des moyens en disant voici comment est-ce qu'on va respecter les dépenses, ou bien toutes les dépenses seront faites par exemple pour supporter, qu'on se mette d'accord, qu'on se mette d'accord. Ezali kambwa Tshisekedi, ezali kambwa Baluba, ezali kambwa Banande, ezali kambwa Congo Mobimba, tobi misamboka oyo na place à mabe ou place tozali. C'est ça mon idée. Moi, je pense que Batwebele, Bazako, Landangai, Bazomi, tout n'a pas vu, mais comment est-ce que ça va se faire? Voici un peu. Na yebi ke na ba Congolais, tozana ba toa mayele à makasi, qui peuvent encore aller un peu plus loin avec cette idée ici, juste pour descalader cette tension qui existe, qui nous empêche à nous développer. Ba toa mayele Bazali, il y a des gens qui sont très intelligents, qui peuvent trouver un moyen pour que tout le monde se mette d'accord. Voilà un peu, mes chers amis, là où je voudrais en venir aujourd'hui avec cette idée de la rétrocession du nouveau du pouvoir au niveau de la base et le chemin que moi je pense qui peut nous amener à désescalader cette tension et à trouver cette unité nationale. Parce que tout le temps, on va sololi et que tu as eu compromis, mon cotolobi, on est toko sala. Les gens auront peur de se trahir, y a ko trahir background na bango balobi, teza problème à Tshisekedi, teza mutuana. Et pour former un gouvernement, il y aura moyen de le faire et à réunir batou ensemble. Alors, j'espère que j'ai été un peu clair dans cette émission de réflexion. Beaucoup de gens m'entendent en live. Oui, j'ai la capacité d'aller en live anytime. Je me suis dit,
Je vais commencer à y aller deux fois par semaine ou trois fois par semaine pour réagir un peu à l'actualité. Mais c'est seulement, vous voyez, que tous à la capé n'avant moi et l'eau comme sous oyo et pèse à cabiso pondo à bana n'a qu'on supporte famille à biso yangwana battant ou sous supprimant pour n'a qu'on respecte programme en est à la camoua passe. Mais je suis disponible. Si vous m'appelez, en tout cas, à partir de 18h jusqu'à un peu tard, j'ai commencé même à penser que non, Nakobando Sala peut-être live à partir de 22h ou 21h, mais c'est toujours difficile. Nous qui, Tomi Bwakaka, Awana Kuna, Ponako Tia Ponduna Mesa, Ponako Tia Lipa na Mesa, Pona Famille, Pona Bana. En tout cas, sur ce point-là, vous allez m'excuser, mais les possibilités sont là. Mais lorsque nous avons le temps, nous venons souvent le samedi en live pour que Nabanda Siko Kozoata ba appel Nabino ou bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aussi intervenir, ba pe sa idée, ba idée Nabango sur le développement en Toka Bolango en live, Ndenge Tosala Kango Naba Space. Donc, merci beaucoup. Donc, j'espère que vous avez aimé. Si vous étiez là pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner car vos abonnements sont vraiment le marque de soutien. O anande suko s'abonner, o anande oza na yebi ke boza ko soutenir ngai. Donc kota la vidéo te soutenir bon mingi bebele batala kame basabona kate. J'insiste beaucoup sur ça. Pour que to continue ko sala o musala oyo ezala pe visible na batu nyoso. Vous abonnez, vous partagez. So ki toza live o koyeba ke ngana za live parce que ba notification ke ndaka mingi mingi na ba abonné o baza a. Voilà, Nzamba Pambo Labino, et je souhaite vraiment que Papi Tamba puisse refaire surface, qu'on sache où il est, Aza Wapi. Ce qui te yébi place Papi Tamba Azali, et qu'on désescalade tension na biso nyoso. Portez-vous bien, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.